C'est pas impressionné par son gigantisme. Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. J'espère que vous allez bien. Comment vas-tu, mon petit agro? Ça fait bien longtemps. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 de notre aventure sur Shadow of the Colossus. Et j'ai décidé d'inscrire tout en haut à gauche des miniatures le nombre de colosses et le numéro des colosses vaincus lors de l'épisode. Histoire que si vous avez aimé un affrontement, si vous avez aimé une bataille ou un colosse en particulier, ben vous puissiez facilement le retrouver. Et ça, c'est plutôt cool. Donc cette fois-ci, on va affronter un colosse gigantesque, tout simplement, plus grand que le précédent. Le précédent était géant. Celui-ci est gigantisme, si je puis me permettre l'expression. Bientôt, je pense, un colosse titanesque. Et je me demande s'il y a des colosses aériens, voilà, qu'ils ont des ailes en l'air et tout. Ça peut être juste incroyable à affronter. Donc c'est parti, les amis. On y va. Ah, j'aurais peut-être dû prier. J'aurais peut-être dû prier à un hôtel, à moins que j'ai récupéré toute ma vie. Ok, je pense avoir récupéré toute ma vie. On y va, les gars. Donc c'est par ici que ça se passe. J'espère que vous avez passé un agréable week-end, que les deux derniers épisodes, les deux premiers épisodes, je dirais même, de cette aventure vous ont plu. Moi, en tout cas, c'était très cool. Il y a des lézards. Attendez. Attendez. Je me demande... On peut les... J'en ai tué un. Y'a rien à faire. Si, j'ai ramassé une queue de lézard. J'ai totalement ramassé une belle queue de lézard. On adore les queues par ici. Ok. Dommage. Alors, je sais pas du tout à quoi ça sert. Je suis dans le néant complet au sujet de ce qu'on ramasse. Bon, on a ramassé une petite queue de lézard. Donc ça, c'est bon à savoir. Allez, mon agro, fais un petit effort. Parce que toi et moi, on a du mal à se comprendre ces temps-ci. On est un petit peu perturbé. C'est normal, c'est compréhensible. Donc, on prend l'épée et on est parti. Direction notre géant. Ça doit être par ici. Agro ! Ah non, des fois, c'est lui qui m'obéit pas, les gars. Si on s'y fonce dans un mur... C'est lui, d'accord? Bah non, mais il faut bien rejeter la faute sur quelqu'un. Et là, je vous assure que c'est lui qui ne m'obéit totalement pas. Et ça, c'est assez terrible. Mais c'est pas grave. Il y a d'autres lézards en plus par ici. Hein. Va falloir essayer de les choper. Ok, il est où ce colosse? Il est pas loin. Oh, est-ce que le colosse serait en intérieur? Ça serait la première fois. Oh, c'est magnifique, hein. Mater les détails. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Honnêtement. Maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'il y a énormément de ressemblances avec Zelda Breath of the Wild. Et ce jeu est sorti il y a, je sais pas, peut-être 13 ans, 13, 15 ans. J'en ai aucune idée exactement, mais il est sorti il y a très longtemps et... Réellement, tous ceux qui ont joué au dernier Zelda sur Switch ou Wii U, non mais gars, j'y vois énormément de ressemblances. On y va, les gars, c'est par ici, donc c'est à l'intérieur. Comment tu veux mettre un colosse? Bon, remarque, je ne doute pas. Je ne doute pas qu'il soit géant à l'intérieur de ce bordel là. C'est parti. Ok, des couloirs qui mènent à chaque sortie. Très bien, donc c'est pas par ici, toute évidence. C'est pas par ici, de toute évidence. C'est encore moins par ici, de toute évidence. Et de toute évidence, on a fait tout le tour. Très bien. Épée, montre-moi la lumière. C'est quelque part par ici. Mais alors par où? C'est quelque part par ici, mais j'en ai aucune idée d'où. Quelle est cette sombrerie? J'ai cru entendre un bruit un moment. Peut-être que le colosse... C'est très bizarre. Peut-être qu'il faut prier en bas, non? On est... Ah non. Non, c'est par là, en fait. Très bien. Agro, on y va. Oui, je l'appelle de son doux prénom parce qu'il faut rouler le R. Je l'ai entendu rouler le R. Ok, on y va. C'était pas par ici. C'était un cul-de-sac, une sombrerie là-dedans. Il y a peut-être pas grand-chose à faire. Peut-être qu'on y reviendra. Hein. Ah! Ah oui! Ah d'accord, ça ressemble à...
Une sorte de dragon. C'est parti, il se réveille. Ok. Il a des pattes assez fines. Il a des grosses pattes arrière. Il est pas si grand que ça. Il est grand. Si, il est grand. Ok, son coup. Son coup, il a un point faible. Ah si, il est grand. Mais il est moins grand que le premier. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? De toute évidence, il y a 4 issues là-haut. Donc, je me demande s'il faudrait pas utiliser les 4 issues. Je pense qu'il faut l'amener ici. Rentrer d'une issue, sortir de l'autre. Ouais, son point faible, c'est le coup, hein, vous l'avez compris. Est-ce que si on le provoque, il fait quelque chose de spécial? Il me veut du mal. Ok, il fait quelque chose de spécial, il s'énerve. On va l'emmener ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Montre-moi ce que tu fais, je te dirai qui tu es. Ok. J'ai réussi à l'amener au milieu. Peut-être qu'en rentrant dans un passage, on va le provoquer encore. Viens, frérot. On va se mettre exactement ici. On va se mettre exactement ici. Et on va attendre de voir ce qu'il peut faire. Ok. Il est juste au-dessus. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. On a cette sensation de hauteur. Ok. On va partir de l'autre côté. Regardez, on a cette sensation de hauteur, de claustrophobie aussi, parce qu'avec le décor et tout qui bouge comme ça, c'est assez dingue. Ok, on a fait tout le tour. Est-ce que ça nous mène à quelque chose? Pas vraiment. Pas vraiment. Alors là, il va falloir essayer de trouver le pourquoi du comment. Alors, je vais faire le tour de cette bestiole. Agropar, mon frérot. De toute évidence, il se laisse pas tourner autour. Ok. On va aller carrément de l'autre côté. On va voir un peu ce que ça va donner. Je suis sûr qu'il y a un indice, le fait que tout tremble à l'intérieur. Il y a un indice peut-être pour donner sa position ou autre. C'est de l'observation, hein, les amis, chaque colosse. Hein. Parce que je rappelle que c'est nos seuls ennemis, finalement. Ok, toujours pas par ici. C'est compliqué, hein. C'est compliqué pour l'instant. On sait pas vraiment quoi faire. On va passer par ici. Voilà. Ça, c'est pas là pour rien, hein, c'est sûr. J'ai son arrière. On peut pas escalader l'arrière non plus. Aussi. Aussi. Il y a une seule solution que j'ai vue pour l'instant, c'est utiliser la hauteur de ces petits tunnels pour sauter. Non, on peut pas. On peut juste pas, en fait. On peut juste pas. Me voilà derrière. Me voilà derrière et quoi faire? Peut-être viser son point faible, non? Direct avec l'arc. D'accord, 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 d'accord. Ah, je l'ai touché un peu. J'ai dû toucher son point faible. J'ai dû toucher son point faible. Faut attendre qu'il attaque alors. Hein. On va attendre qu'il attaque cette fois-ci. Vas-y, fais-moi rêver. Dis-moi qui tu es. Il attaque pas en plus. C'est ça le souci en fait. Il attaque juste pas en vrai. Tromper le colosse pour l'atteindre par derrière. Mais c'est ce que j'ai déjà fait en fait. C'est ce que j'ai déjà fait. Ok. C'est totalement ce que j'ai déjà fait. Donc voilà ce qu'on va faire. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, je connaissais le truc. Maintenant, il faut juste arriver à voir ce qu'il y a à faire derrière. Et ça, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Parce que j'ai déjà atteint son arrière. Peut-être l'arc. Je pense l'arc en vrai. Je pense totalement l'arc. Il m'a juste pas vu. Mais alors là, là c'est incroyable. Comment monter sur sa fourrure? Comment monter sur sa fourrure?
Là, je vous avoue que... Là, on peut pas s'accrocher. Il va forcément s'asseoir, non? S'asseoir ou faire quelque chose. Ah! Oh, bien joué à lui. Je m'attendais point à cette attaque, si je peux me permettre. Tromper le colosse pour l'atteindre par derrière. On va chercher, les gars. C'est de la recherche, hein. C'est ce qui rend le gameplay, justement. C'est ce qui fait que le gameplay est plus long. C'est très si facile de tuer un colosse. On n'en serait pas là, les amis. Les épisodes duraient 3 minutes. Est-ce qu'avec mon cheval, je dois l'utiliser? Mais tout est possible dans le jeu, c'est ça qui est terrible. Est-ce qu'avec mon cheval, je dois l'utiliser pour monter dessus? On va essayer de réfléchir, les amis. Chose assez intéressante, c'est qu'il a creusé un endroit. Maintenant, je vois pas trop quoi faire. Il va falloir qu'il creuse. Je pense qu'il va falloir qu'il creuse. Peut-être que tout n'est qu'attente, finalement. Il avait essayé de taper à ces endroits-là. On va voir un peu ce que ça peut donner. On va le provoquer. Allez, je suis là, mon coco. Énerve-toi. C'est ce que j'attends. Quand il était ici, il avait essayé de taper sur le côté, d'ailleurs. On va voir ce qu'il va faire. Ok, ça m'a touché un petit peu. Je vais rester caché par ici. Ok, il essaye de taper. Ok. Oui, j'ai compris. Là, il fait que de taper, hein. Là, il fait que de taper. Je pense qu'on avance. Le problème, c'est que j'ai pas de... Je sais pas s'il hurle ou autre. Là, il fait que de taper. Non, il s'est retourné. Il s'est retourné, c'est pas bon. Je pense qu'il fallait attendre encore un peu. Allez, viens là, mon coco. On va réessayer ici. Il faisait que de taper. Je pense qu'on était sur quelque chose, d'accord? Étant donné que son animation n'est pas... n'est pas commune, si je puis me permettre. Peut-être j'ai totalement tort. Vas-y, tape. Il y a bien un moment, tu vas tomber. On va regarder. Ok. On va y arriver. Gardons notre mal en patience, si je puis me permettre. Je comprends pas pourquoi il tape au sol. Il doit y avoir un truc. Il doit y avoir quelque chose, bordel de merde. On va réessayer. Ça va fonctionner. J'ai quasi l'impression qu'il serait bugué. Arrête toi de me rappeler. Je sais ce qu'il faut faire. Viens ici toi. Regardez ces sortes de trucs qui tombent là. Ces boucles d'oreilles là, appelez-le comme vous voulez. Ouais, parce que les colosses aussi ont le droit d'avoir des boucles d'oreilles, ok? Ils ont le droit d'être à la mode. Je suis sûr qu'on doit s'accrocher là-dessus, non? Tiens, ok, on va la tirer. Hop, voilà, je me suis totalement cassé la gueule. Là, il m'a vu, hein. Voilà, on va attendre ici. Il y a bien quelque chose, c'est pas vrai. On va l'attendre. Tout se joue peut-être dans la patience. Ok. Il veut pas, genre, regarder ou se baisser pour regarder. C'est incroyable. C'est impossible, je comprends pas. Ok, on va y arriver.
va y arriver. Eureka! On y est! Oh putain, j'y croyais plus! J'y croyais totalement plus! On y est les gars, on y est sur ce colosse! Oh non, il devait y avoir un souci en vrai! Ok, allez on est parti! Allez, allez, allez! Arrête de bouger! Tu te calmes! C'est pas vrai! Waouh! Ok, on va se reposer calmement. On va se reposer calmement. C'est là son premier point faible, je pense. On va attendre de récupérer toute notre jauge d'endurance. Il a donc deux points faibles. Oh, c'est terrible, hein, c'est terrible! On y est enfin! Putain, mais quel plaisir! Non, les gars, je suis passé au moins 35 minutes. En fait, il faut attendre très longtemps. Très longtemps, les gars. Ok. Ok. Ah, ça retire pas beaucoup de vie cette fois. Ok, cette fois-ci, on stoppe un peu. On va se reposer calmement. Ah, faut pas que je tombe, faut pas que je tombe. Ok, il est... elle est où? Il est où le point faible maintenant? Ok, on va faire gaffe à pas tomber, les gars. Quoi? Il se lève! Ok. Attention, on va pas tomber. Ok, c'est compliqué, c'est compliqué. Fais pas le con, fais pas le con. Ok, son point faible n'est clairement pas là, de toute évidence. Ok. Je pense que c'est celui sur sa boîte crânienne. Non. Oh c'est bon. Oh c'est bon. Ok désolé. Gros je t'escalade l'œil si ça te gêne pas. Allez c'est ça. C'est son point faible. Sa boîte crânienne. On met tout. Il sait plus quoi faire. Il sait plus quoi dire. Il a mal. Il souffre. C'est la fin pour lui. Il était extrêmement compliqué celui-là. En gros, il faut attendre extrêmement longtemps. Extrêmement longtemps dans le tunnel. Peut-être deux minutes, deux bonnes minutes. Parce qu'aucune animation s'enclenchait. Le champ de pierre tombale. On a encore tué un colosse qui nous voulait pas spécialement de mal. Mais enfin, on verra bien au bout d'un moment pourquoi. Hormis révéler sa dulcinée, pourquoi cette voix nous demande de tuer ces colosses, de s'emparer de leur ombre. On verra bien. Non, je veux pas que l'ombre arrive. Elle ne viendra pas! Ah! Oh.
Quatrième colosse, c'est fait. Et le prochain colosse, apparemment, bah il peut voler. C'est un colosse oiseau, voilà. Si on peut l'appeler comme ça, il va pouvoir s'envoler. Est-ce qu'on sera vraiment dans les cieux? Aucune idée. Suite dans le prochain épisode qui sort après-demain, bien évidemment. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas de j'aime et le commentaire. Ce colosse, c'était vraiment pas évident parce que, en fait, c'était de la patience. Hein. J'étais dedans depuis le début. Je savais exactement ce qu'il fallait faire. Mais il faut rester dans les escaliers au moins 2 bonnes minutes pour qu'il penche sa tête. Pour s'accrocher à ces sortes de nattes, voilà. Donc, c'était un colosse de patience, voilà. Même si on avait le truc, il fallait attendre. Et c'était pas aussi évident que ça. J'ai l'impression que, normalement, on devait arriver par derrière. C'est ce que disait la voix et me répétait maintes et maintes fois. Mais j'ai l'impression que l'animation buguait parce qu'il avait beau taper dans le sol, jamais... Je pense qu'à force de taper dans le sol, il devait se baisser au bout d'un moment, mais jamais il se baissait. Donc j'ai préféré m'accrocher sur ces nattes parce que c'est la seule fois qu'on les a vus apparaître en 35 ou 40 minutes. Et c'était pas évident, clairement c'était pas évident. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire et n'oubliez pas non plus que j'ai pas fait Shadow of the Colossus sur PS2, donc c'est une première pour moi. On découvre tous ces colosses et ce qui fait l'essence aussi du jeu et le charme, c'est la découverte avant tout. A bientôt tout le monde, ciao ciao.